Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Bienvenue dans votre émission Il est minuit. Il est 21h15, heure locale. Nous avons eu un petit souci technique. Veuillez nous en excuser. Ce n'était pas volontaire. Je sais que vous êtes, n'est-ce pas, nombreux à être connectés. Donc, je ne sais pas si c'est bon du côté de l'équipe technique. Donc, nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Donc, nous sommes très, très heureux de vous savoir aussi nombreux à aimer le Seigneur de plus en plus et bienvenue à vous tous qui êtes nouvellement connectés sur cette chaîne. Et voilà, donc nous avons eu un gros retard parce que comme je vous l'ai dit, on a eu un petit souci technique. Voilà, donc que Dieu soit béni. Voilà, donc là c'est la sonnerie parce qu'on a fait beaucoup de travaux ici. Donc je suis avec avec Patrick et Ornella. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Adonai, Dieu d'Israël. Merci pour la vérité qui affranchit, pour la vérité qui libère. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous taire. Nous ne voulons pas, Seigneur, être Seigneur, dans la peur, dans l'intimidation. Mais nous voulons annoncer la vérité, défendre la vérité jusqu'au bout. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Merci. Gloire à Dieu. Donc je tiens déjà à vous dire que demain soir 20h30, il y aura une émission spéciale. Et voilà, Patrick, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Tu es arrivé un peu par surprise aujourd'hui. Oui. Voilà, comme ça, tac. Oui, dit. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes frères et sœurs à Paris. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Et Ornella aussi qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors depuis ta conversion, ça va les choses Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Hein. Oui. Tu es beaucoup malaxé. Beaucoup... Toujours, mais c'est avec amour. Ouais. Ouais. Tu acceptes quand même le brisement? Complètement. Ouais. C'est-à-dire que le Seigneur va bénir derrière. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et vous êtes nombreux dans les nations à vous lever pour prier pour les uns les autres, pour vous préparer pour le retour du Mashiach. Hein. Et ben, nous allons rapidement prendre Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. Voilà. Ornella, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son esclave. Je continue. Oh ouais. Qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Mm-hmm. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Oh, quel temps! Le temps est proche. Et j'aime beaucoup l'introduction de ce livre, le commencement de ce livre. Et on nous dit d'emblée révélation de Jésus-Christ. Alors, on va aller, si l'équipe peut nous aider, dans les écrits grecs. Les textes sont reçus. Voilà, parfait. Comme ça, on va faire une petite comparaison. Voilà, c'est le... Voilà, texte est reçu, là. C'est ça, logiquement. Ça ne passe pas. Donc, on a un petit souci technique. Voilà, ça ne passe pas. Alors, non, ça ne passe pas. OK, c'est pas grave. Donc, révélation de Jésus-Christ, effectivement, ici. Et c'est Apocalypsis qui, bien sûr, veut dire action de dévoiler, action de... ou tout simplement révélation, bien sûr, ou à action d'ôter le voile. Il est question de la révélation de Yeshua. Voilà le message que nous voulons, mes amis, annoncer. La révélation de Dieu. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais oui, c'est écrit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, c'est comme si ça sous-entend qu'il y a deux êtres, Dieu et Jésus-Christ. Bien sûr, ici, il n'est pas question de deux personnes distinctes comme les théologiens, des théologiens, et certains, comme certains le disent, hein, mais il est question ici plutôt de Yeshua homme, n'est-ce pas? Et Yeshua homme,
qui est venu nous révéler le Dieu véritable. Voilà, parce que, comme vous le savez, il a dit dans Matthieu 11, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, on nous dit ici qu'il est question de la révélation, c'est-à-dire la lumière a été, n'est-ce pas, mise sur Jésus. Voilà, merci l'équipe. Est-ce que c'est possible d'agrandir un tout petit peu le... Sinon, ce n'est pas grave. Donc, on va aller sur le chapitre 1er, Révélation. Tout de suite, on clique sur le premier mot. Voilà, on clique dessus. Donc, il y a un petit problème. Voilà, il y a un problème avec le serveur. Voilà, ce n'est pas grave. Merci pour vos efforts, en tout cas. Voilà, donc... Donc, il est question, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, de la révélation de Yeshua. Voilà, mes amis, la raison pour laquelle nous existons. C'est révéler aux gens, aux hommes, Jésus. Et vous allez me dire, est-ce que Dieu ne peut pas se révéler lui-même aux hommes ? Ah si, Dieu le fait. Mais il a dit à l'Église, il a confié à l'Église la mission, n'est-ce pas, de révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. D'ailleurs, on peut le prendre dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Et Éphésiens chapitre 3, verset 10. Quel est le message qu'il faut prêcher? Quel est l'évangile que nous devons diffuser? N'est-ce pas? Et parce que le seul message salutaire, c'est le message centré sur Dieu, sur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. On pourra nous le lire. Ah, je crois qu'il y a un problème de micro, plus de piles. Voilà, merci. Afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Donc, écoutez ici, mes amis. Jésus de Nazareth est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, c'est fort. Donc, la sagesse, je ne dirais pas une sagesse, mais la sagesse infiniment variée de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que Yeshua a plusieurs aspects. Donc, il a tellement d'aspects que le temps n'est pas, n'est-ce pas, suffisant pour pouvoir le développer. Alors, vous comprenez que nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que nous devons révéler ces aspects-là. C'est ça la mission de l'Église. On nous dit que les principautés, les dominations, n'est-ce pas, et dans les lieux célestes, connaissent par l'Église. Dieu, qui est tout-puissant, a choisi l'Église, des hommes et des femmes comme vous et moi, pour qu'au travers de nous, pour que par notre vie sanctifiée, par le message centré sur Jésus, et Jésus seul, Père, Fils, Saint-Esprit, et que ce message-là, que par ce message-là, que les anges, d'abord, parce que quand on parle des principautés, des dignités, hein, et tout ça-là, c'est d'abord les anges de Dieu. Donc, ça veut dire que les anges de Dieu, au ciel, donc il y a aussi les démons parmi les principautés, donc d'abord, il y a les anges de Dieu, les démons aussi, connaissent par l'Église la variété de Dieu. Les variétés, je dirais. Et parce que c'est la sagesse par excellence. Et est-ce qu'il y a des versets qui nous confirment que les anges veulent entendre, connaître l'évangile, véritablement, cet évangile qui nous a été confié? Oui, frères et sœurs, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. À partir du verset, 10. C'est au sujet, celui-là. C'est au sujet
de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait à l'avantage témoignage, leur faisant connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui administraient ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désiraient plonger leur regard. Même les anges, vous vous rendez compte? Les anges de Dieu désirent plonger leur regard dans l'évangile annoncé par l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte? Ornella, est-ce je que savais tu pas te du rends tout. Compte de la responsabilité que nous avons, nous, en tant que chrétiens? C'est-à-dire par notre enseignement. Les anges sont enseignés, ils plongent leur regard dans l'évangile. On peut le relire, on va le lire encore. Amen. Donc, on n'a pas de temps à perdre. On doit, mes amis, se focaliser sur le message, sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile, véritablement. Tu ne savais pas du tout. On va parler, on va enseigner, parce que c'est ça l'évangile. Nous ne voulons pas crier, nous voulons enseigner l'évangile. Voilà. Et on relit encore 1 Pierre chapitre 1er. On nous dit d'abord ici que c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Déjà, on apprend ici les prophètes d'avant la grâce, en commençant par le premier, c'est-à-dire Enoch et Abraham qui étaient prophètes, tout ça. Tous ces prophètes, Jérémie, Michée, Ésaïe, Moïse, ils ont voulu, n'est-ce pas? Et ils ont fait des recherches et des investigations. Ils ont investigué tout ça. Ils ont cherché à sonder l'époque où Dieu allait devenir homme parce qu'ils avaient reçu des révélations selon lesquelles un jour, Dieu allait se servir de plusieurs membres issus des nations et du reste d'Israël qui se convertira au Messie pour des deux n'en faire qu'un. Et qu'au travers de ce corps, Dieu sur terre allait se manifester, allait manifester sa gloire. Je voudrais que vous compreniez, chrétiens, vous qui nous suivez ce soir, l'Église est la seule institution sur terre que Dieu a placée, que Dieu a mise en place. C'est le seul corps que Dieu a mis en place pour qu'au travers de ce corps, les anges dans le ciel, mes amis, plongent leur regard dans l'évangile que ce corps annonce. Alléluia. Amen. Pas seulement les anges de Dieu, mais également Satan. C'est-à-dire Satan n'a pas la pleine connaissance. Quand nous prêchons sur Jésus, Satan découvre des aspects de Jésus-Christ qu'il ne connaît pas. Amen. Parce que seul Dieu est insondable. Seul Dieu est un son. Donc Satan, mes amis, personne ne peut dire qu'il connaît Dieu parfaitement. Même les anges au ciel, quand ils adorent Dieu, Dieu se révèle, se manifeste encore. Et là, ils découvrent encore des aspects de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça notre Dieu. Et Dieu dit, je veux prendre des hommes et des femmes issus des nations, je veux prendre une partie d'Israël et je veux faire un seul corps. Et maintenant, c'est ça l'humour de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que l'Église était aussi un mystère. Et là, on nous dit d'abord, les prophètes ont voulu comprendre ces choses, cette réalité. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on ne comprend pas trop. Ils ont fait des investigations, ils ont fait des recherches, tout ça. C'est-à-dire, ils ont jeûné, ils ont prié, ils se sont retirés dans des grottes, ils ont prié devant Dieu, parce que les investigations ici, c'est devant Dieu, dans le jeûne et la prière. Et Dieu leur a dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour Paul, Pierre, Jacques, Jean, c'est pour Patrick, c'est pour Ornella, c'est pour Chora, c'est pour toi qui me suis, toi qui crains Dieu, n'est-ce pas, toi qui aimes Amen. Jésus, toi qui aimes la vérité. Et Dieu dit, c'est pour eux. Vous vous rendez compte? C'est pour cela que le dernier livre de la Bible commence par révélation de Jésus. On n'a pas dit révélation de l'église pentecôtiste. On n'a pas dit révélation de l'église baptiste. On n'a pas dit révélation d'un site internet. Non. Non. Chrétiens, nous avons besoin d'entendre parler de Jésus-Christ matin, midi, soir. Amen. Nous n'avons pas besoin des histoires matin, midi, soir. Nous n'avons pas besoin de reportages. On a besoin de Jésus.
On a besoin de l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Jésus ne viendra pas chercher les baptistes, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Il viendra chercher, alléluia, ceux à qui il avait confié la charge de le révéler au monde. Et là, on nous dit que cette révélation-là, donc révélation de Jésus-Christ, pourquoi ? Parce que c'est la sagesse infinie variée de Dieu. C'est le Dieu insondable. Vous vous rendez compte que nous sommes appelés à révéler le Dieu insondable aux gens. Ça veut dire que tous les jours, ce Dieu insondable se révèle à nous, nous sommes émerveillés et donc du coup, nous en nous sortons et nous partageons les illuminations que nous recevons. Et ces illuminations apportent la vie. C'est-à-dire, nous ne passons pas notre temps sur des sites internet à gauche à droite pour chercher des informations. Non, ça c'est pas le ministère ça. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons des choses dans la parole, dans la méditation et nous allons dehors. Nous partageons l'évangile. Et là, eh bien, les fruits sont palpables. Guérison. Parce que un des aspects, vous savez, quand on dit que, quand on parle de la révélation de Jésus-Christ, sachez qu'il est la sagesse infiniment variée de Dieu, il est le Dieu insondable, le Tout-Puissant, le Père éternel. Imaginez, vous avez la grâce, vous avez l'appel pour révéler ce Dieu. Est-ce que vous vous imaginez la charge que vous avez, la mission que nous avons, nous chrétiens, révéler Dieu aux hommes. Une sœur qui habite à Troyes, me dit aujourd'hui, d'abord il y a quelques jours, elle me disait, là où j'habite, j'ai partagé la parole à une femme iranienne d'origine, donc musulmane. Et je lui ai prêché, me disait-elle, l'évangile, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et cette femme me dit, selon ma sœur, eh bien j'aimerais bien vivre Jésus, j'aimerais bien qu'il me rencontre, qu'il me visite. Et avec un frère et une sœur, tous les trois, ils ont prié pour elle. Et ils lui ont dit, ben, le Seigneur va te visiter. Et effectivement, elle rentre chez elle. Mes amis, Jésus-Christ en personne est venu chez elle. En personne. Et la sœur iranienne, elle dit, elle a vu un être glorieux. Elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Amen. Elle a dit... Elle a vu le ciel s'ouvrir, une porte au ciel là-bas. Elle a vu un démon qui l'empêchait de lire la Bible. Parce que la sœur qui lui a parlé de Yeshua lui a passé sa Bible. Et elle a dit, mais un démon était là pour l'empêcher de lire la Bible. Et elle a vu Yeshua des anges et le démon est parti. Et la sœur iranienne se retrouve au sol, chez elle, seule, en train d'écumer. Elle a senti un serpent remonter de son corps et sortir. Elle a dit, le Seigneur l'a pris dans ses bras. Et elle a senti un tel amour du Seigneur. Elle dit, jamais. Et le Seigneur lui a dit, je pardonne tous tes péchés. Et elle disait, comment tu peux pardonner tous mes péchés? Et le Seigneur, alors elle ne connaît pas la Bible, cette sœur. Le Seigneur lui donne des versets bibliques où il est écrit qu'il pardonne tous nos péchés. Elle a été dépassée. Elle est tellement choquée. Elle dit, mais c'est la réalité. Elle dit, mais c'est terrible. Donc, elle va certainement venir samedi lors de la réunion de la jeunesse pour témoigner, mais elle est dépassée. Voilà ce que nous voulons vivre. Et on veut nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Et on veut nous dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant. On veut nous dire que Yeshua n'est pas le Père. Alors, c'est écrit noir sur blanc que le Père éternel. On veut nous dire que c'est c'est hors contexte. Mais en fait, quand quelqu'un n'a pas été visité par Dieu, il ne peut pas comprendre ces choses. C'est comme quelqu'un qui veut parler de Nice, d'où tu viens. Alors qu'il n'a jamais été à Nice. Donc, t'as beau lui dire, à Nice, il y a une promenade qui s'appelle Georgette. Il y a des arbres. La personne ne peut pas comprendre cette réalité-là parce qu'elle n'a jamais été là-bas. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Mes amis, révélation de Jésus-Christ, ça commence par là. On nous dit qu'il a donné cette révélation à son serviteur Jean. Comment ? Il a envoyé un ange, c'est-à-dire messager. Nous sommes dans une génération où Dieu envoie ses enfants qui sont des messagers, qui sont des messagères, qui ont vu des choses, qui ont expérimenté des choses, qui ont goûté à des choses. Et ils sont appelés à révéler cette sagesse-là. Regardez ce que Paul dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Parce qu'il faut que nous sachions quel est le message qu'il faut prêcher. Quel est le message de l'Église ? Parce que beaucoup de chrétiens sont perdus aujourd'hui.
Beaucoup ne savent pas qui écouter, de qui être enseigné, par qui être enseigné, qui, n'est-ce pas, peut nous aider. Bien sûr, le Seigneur nous enseigne. Bien sûr, son esprit est le meilleur enseignant. Ça, c'est clair. Il est mieux que moi. Il est mieux que tout homme, n'est-ce pas? Parce que c'est le meilleur enseignant. Paul dit dans 1 Corinthiens 2. Regardez ce qu'il dit à partir du verset, mes amis, et à partir du verset 1er. Pour moi, donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je n'y suis pas venu avec des discours pompeux, remplis de la sagesse humaine, et en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne voulons pas autre chose. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons qu'on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons qu'on nous enseigne sur Jésus. Nous voulons qu'on nous prêche Jésus. Nous voulons des enseignements comme dans les évangiles, basés sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il y a tellement de choses, Patrick, à dire sur Jésus. Tellement de choses à dire sur lui. Mais je vous assure, frère, sans l'enseignement basé sur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc, on doit plus nous parler de lui. Et c'est pour cela que nous voulons, depuis des années, nous arrêter sur le Seigneur Yeshua, parler de lui. C'est la meilleure façon de faire l'œuvre. Parce que plus on révèle Yeshua, plus on l'élève, plus la jeunesse, comme vous le voyez vous-même, la jeunesse est touchée. Encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont venus pour confesser le péché, pour demander conseil. Des jeunes qui sont éclairés, des jeunes qui sont debout pour le Seigneur. C'est le feu, c'est le réveil partout, mes amis. C'est ça, l'évangile. Paul dit, je ne veux savoir rien d'autre. Rien d'autre que Jésus. Et Jésus crucifié, la croix. Et au verset 3, et j'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Mon Dieu ! Il dit, ma parole n'était pas là pour persuader les gens. Nous ne sommes pas là pour persuader les gens charnellement. Non ! Il dit, ma parole et ma parole. Ah, j'aime ce verset-là. J'aime ce verset-là. Je suis désolé, c'est pas de l'orgueil, mais je dis, c'est un des versets de la Bible qui me fait bondir là. Paul dit, et ma parole, et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives, parce que les Grecs aimaient les discours. Ils aimaient la philosophie, la théologie. Oh, mais vous savez, tel verset, à tel endroit, tout ça, oui. Mais les Sidéens ne vont pas manger ça. Les possédés ont besoin de la délivrance. Et il dit, ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives des hommes, de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Bon Dieu, mais c'est ça l'église, mes amis, là. Jesus Christ, mais arrêtez, mes amis. Mais c'est ça l'église. Ce n'est pas de l'excitation. C'est ça le message. C'est ça le message. Quand je prêche l'évangile, partout, ici ou ailleurs, dans la rue ou partout où Dieu peut m'envoyer, quand je vois en ouvrant la bouche seulement, des gens se disent, je suis guéri. Quand nous recevons des emails, des gens qui nous disent, on écoutait tel message, un démon est sorti, un démon est parti, j'ai été guéri. Je dis, mais c'est ça la vie, c'est ça l'évangile. Quand des jeunes entendent ce message, ils disent, c'est ça, nous voulons changer. C'est ça la parole de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quand on voit des gens, des femmes comme Ornella, Extila, hein, dans l'impudicité, dans la gloire charnelle, ici et là, des gens qui ont dit non, ces femmes-là, elles se sont converties, elles ne sont pas converties parce que elles continuent leur vie. Je disais aux amis là, attention, un peu de sagesse, un peu de patience, de la patience, de l'amour, tout ça, mes amis. C'est comme ce gothique. Je ne sais pas si on a l'image du gothique qui est venu. Il m'appelle, il dit, je suis gothique. Le téléphone sonne ici. Je suis gothique, j'aimerais bien échanger avec vous, tout ça. Et si je viens, est-ce que vous allez me rejeter? Je dis, dans le royaume de Dieu, on ne rejette personne. Non. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je lui dis, non, tu peux. Il dit, et si je viens habillé en gothique, vous allez me changer? Je dis, non. Nous prêchons l'évangile. C'est Dieu lui-même qui change les gens. Vous, écoutez le message seulement. Parce qu'il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Le jeune homme est venu, gothique, tout ça.
Il est venu. Et des frères et sœurs l'ont accueilli avec amour. Mes amis, il était là. Il entend le message. Il entend. On n'a pas sauté, on n'a pas crié. Il lève la main, il dit, je veux confesser. Il se levait, il a confessé qu'il était pédophile, qu'il était ci, qu'il était ça, qu'il était bisexuel, qu'il est bisexuel, qu'il est pédophile. Tout ça, délivré. Hein. Quand l'onction est tombée sur lui, il est tombé par terre, il se relevait, le visage a changé. Transformé. Il est reparti dans la paix. Mais c'est ça l'évangile, la démonstration. Parce que la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu lui-même, Yeshua, quand on l'annonce, il a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la toute-puissance. Mais c'est ça, la toute-puissance. Il est tout-puissant. Mais nous prêchons quelqu'un qui est tout-puissant. Mais s'il est tout-puissant et que nous faisons des programmes, Patrick, moi je suis désolé. Les gens disent non, ça c'est ta grâce. Je suis désolé. Non, 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 frère. Si tu as l'esprit comme moi, si tu annonces Christ véritablement, des foules seront touchées. Philippe, un simple diacre, un diacre. Il part dans la Samarie. Philippe n'était pas... Vous savez, à un moment donné, Philippe était assis. Après le réveil de la Samarie. Dieu lui dit, lève-toi. Parce que quand tu as le message, quand tu as l'évangile, on ne reste pas assis là, assis là, assis, assis. Non! Ce sont les pieds qui sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. On n'a pas dit, excusez-moi du terme, on n'a pas dit les fesses de ceux qui sont assis. On a dit les pieds. Donc nous sommes des marcheurs, nous sommes des athlètes. Nous ne sommes pas des paresseux assis à vie. Non, ce n'est pas ça l'évangile, c'est quoi cet évangile-là? Nous voulons que voir aussi, nous voulons voir les démonstrations. Nous sommes sur le mont Carmel, nous voulons voir la démonstration de la puissance de notre Dieu. Il est temps que le monde sache qu'il y a des chrétiens qui ont reçu l'appel de Dieu et qui manifestent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il est temps que les soldats, des soldates, des guerriers, des guerrières se lèvent et annoncent le retour du maître. Amen. Jesus Christ. Oh, alléluia. Nous sommes en mode défense de la parole du Seigneur, en mode défense de la vérité pour révéler notre Dieu. Jesus Christ. Oh, alléluia. Vous savez, la différence entre Paul et les philosophes, c'est que les philosophes avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la puissance. Paul annonce la résurrection des morts. Voilà l'évangile. Il dit notre foi et notre prédication sont basées sur la résurrection de Christ. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que la résurrection? Il a dit, ôtez la pierre devant la tombe de Lazare. Ôtez la pierre. Que le mort, dont le corps avait été pourri, que le mort sorte de là. C'est ça l'évangile chrétien. Qu'on ne vous prêche pas des catacombes, de colocantes sauvages. Qu'on ne vous fasse pas manger, mes amis, du levain. Qu'on vous prêche Christ. Je veux que les frères et sœurs se réveillent. Que les enfants de Dieu se mettent debout. Qu'ils soient en mode prière, intercession. Qu'ils soient en mode, alléluia, évangélisation. Jesus Christ. Oh, alléluia, nous sommes dans une période très excitante parce que, mes amis, parce que Dieu déverse son feu, sa gloire, alléluia, sur ses enfants. C'est Joël 2:28. Et l'aspect de la toute-puissance de Dieu sera révélé parce que Yeshua revient chercher une église glorieuse. C'est-à-dire, nous allons prêcher la gloire. Nous allons prêcher le feu de la gloire, le feu du réveil, le feu de sainteté, frères et sœurs. Ça va contaminer les frères et sœurs. La puissance de Dieu. Balancez-nous l'image là, avec ce gothique-là. Mon Dieu. La puissance de Dieu, le réveil. Oh, alléluia, le feu. Ce que je vais dire, c'est pas facile. Parce que j'en ai très honte, mais j'ai envie que le Seigneur Jésus-Christ me libère. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Alors, je suis bisexuel. Je suis pédophile. Je suis dans la masturbation. Dans la pornographie, j'ai fait des choses à ma petite sœur. Je fume. J'ai testé le cannabis, l'alcool. J'ai déçu mes parents. Et je veux que le Seigneur Jésus-Christ me libère et me sauve. Waouh! 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 Alors, s'il te plaît, tu peux prier pour moi. On va prier pour lui.
Qui d'autre peut faire que les gens se lèvent pour confesser de telles choses? Mes amis, s'il vous plaît, ne jugez pas les gens selon leurs apparences. Nous devons accueillir toutes les personnes qui viennent chercher Dieu, d'où qu'ils viennent. Noir, blanc, jaune, petit, riche, peu importe leurs origines, les gens ont des souffrances. J'ai oublié de dire aussi, à cause des souffrances que j'ai eues durant mon passé, j'ai connu le racisme, donc j'ai été raciste. J'avais la haine contre les chrétiens. J'avais la haine contre les femmes et contre l'humanité aussi. Ah ben le Seigneur va le délivrer. Alléluia. Prions pour lui. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ce jeune homme. Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi retire sa main maintenant de sa vie. Tu vas quitter son corps maintenant. Oui, allez, sors de là. Sors de là, démon. Il y a un démon là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sors. Allez, posez. Il y a un démon qui s'en va. Mais bon, les amis, allez-y. Sors de là. Allez, sors de là. Plateau. Allez, sors de là. Allez, dites-le. Sors. Allez, remonte, sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, les gars. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons entendre Jésus. Nous voulons écouter Jésus de Nazareth. Nous voulons avoir la vie en écoutant un message qui apporte la vie. Jesus. C'est pour cela que Paul dit, et ma parole, et ma prédication. C'est-à-dire, la parole de Dieu était devenue sa parole. Vous vous rendez compte? Il s'était approprié la parole de Dieu qui est devenue sa parole. Comme Élie disait, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mon Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, le messager, l'enfant de Dieu, a pris la parole de son père, c'est devenu sa parole. Parce que, pourquoi? Parce que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Nous avons hérité de Dieu la vie, la parole, toutes les, beaucoup de choses. Frères et sœurs. Et ça, c'est ça. La sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez, écoutez des gens qui vont nous endormir. Moi, ça, c'est comme à l'église catholique, t'es là. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs. Non, frère. Ça, c'est fatigant. Ça nous endort. Et honnêtement, Pierre arrive chez Corneille, il parle, le feu tombe. Jesus. Moi, j'aime quand je prêche là, je sens mon Dieu avec moi. C'est-à-dire, tu pries chez toi normalement, tu ouvres ta bouche simplement, Dieu te saisit, tu parles et les démons commencent à t'insulter. Les gens disent, ah, je suis guéri, ah, je suis guéri. Un handicapé se lève là-bas, un aveugle, ah, je vois. Frère, c'est ça l'évangile. Mais c'est ça l'évangile. Quand les anges voient, ils se disent, oh, Jésus est trop fort. Comment il peut utiliser de la poussière comme ça là, des êtres qui sont, n'est-ce pas, faibles. Oh Jésus. Et on continue la lecture dans 1 Corinthiens 2 là. C'est la puissance de Dieu, mes amis. C'est un des aspects de Dieu, c'est la toute-puissance. Et il est dit dans Psaume 68, Dieu dit, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ordonne, c'est un ordre. 1 Corinthiens toujours 2. À partir de... Verset 5. Afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Patrick, toujours en compte ici. Donc, honnêtement, et vous allez me demander d'être dans une assemblée ou d'écouter des gens qui n'ont pas de puissance? Ah ben, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, l'évangile, ce n'est pas seulement la prédication. Oh, je prêche, je parle. Non, on veut voir. Il y en a qui vont dire, vous savez, c'est écrit qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Écoutez, le Seigneur a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas moi qui l'ai écrit, frère de ça. Voici les miracles. Voilà un gothique qui vient. Gothique. Il vient, il dit, voilà, qu'il est pédophile, qu'il est bisexuel, qu'il est drogué, qu'il est raciste, tout ça. Et il veut changer. Et là, la puissance de Dieu est venue sur lui. Il se retrouve au sol, tombé devant Dieu, délivré. Dans la sagesse de Dieu, et là, il se relève, libéré. Mais comment voulez-vous prêcher un Dieu tout-puissant si vous n'avez pas de puissance? Mais comment vous... C'est pas possible. Vous savez, quand on a la puissance, là, on reste pas assis tout le temps. C'est impossible, on bouge. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1,
Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. On a passé la première fois où il est question de l'Esprit de Dieu. On parle de, n'est-ce pas, de ce mouvement. C'est-à-dire, oh mon Dieu. Oui, frères et sœurs. Voyez, c'est le mouvement, le mouvement. Et regardez, on va revenir sur 1 Corinthiens 2, mais parlons de ce mouvement-là. Je crois que c'est dans Actes chapitre 16. Oh Seigneur, parle-nous. Jesus Christ. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole. Actes chapitre 16, on nous parle. Voilà, là, il est question de Timothée. Seigneur, merci pour ta parole. Ouais, acte chapitre, on va prendre acte chapitre 14, ouais, pardon. Le verset premier. Or, il arriva qu'étant à Icône, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crut. Et plus tard, verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux dès sa naissance et qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul. Et Paul, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva en sautant et marcha. Seigneur, moi quand je lis la Bible, je ne veux pas qu'on me dise que tout ça s'est passé. Non, parce que quand on n'a pas la puissance, on va dire c'est du passé. Ah non, on le vit, mais on n'est pas satisfait. Parce qu'on veut voir d'autres gothiques être touchés, on veut voir d'autres jeunes être visités, des frères et sœurs, des Français, des Noirs, des Africains, des Asiatiques, des Métis, des Indiens, des Chinois, des Japonais, les nations. Voyez frères et sœurs. Et Paul dit, afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes. Parce que si tel est le cas, vous allez abandonner la vie chrétienne à cause de la persécution. Mais si c'est par la puissance de Dieu, si votre foi est basée sur la puissance de Dieu, si vous avez expérimenté le Dieu Tout-Puissant, quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent, vous ne baisserez jamais les bras. Jamais. Ô Seigneur, on continue la lecture. Le verset 6 de 1 Corinthiens 2. Or, nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Ah! Nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. On continue. Une sagesse, dis-je, qui n'est pas de cet âge, ni des chefs de cet âge, qui vont être anéantis. Donc, imaginez que nous prêchons la sagesse qui n'est pas de cet âge. Écoutez, regardez bien, je vais vous parler terre à terre. C'est comme si vous êtes là, nous sommes en 2016, et vous commencez à parler, n'est-ce pas, des écrans télé qui vont sortir dans 300 ans. Mais les gens vont vous prendre pour un fou. Imaginez, vous commencez à dire, ben, dans 300 ans, eh ben, vous pouvez déjà expérimenter ces choses maintenant, mais ça va se concrétiser véritablement dans 300 ans, 400 ans, 500 ans, tout ça là. Il va y avoir des écrans dans le vide comme ça. Les gens vont dire, oh, ça y est, il est fou là. La sagesse que nous prêchons n'est pas de cet âge. Donc ça veut dire quoi? Toutes les sagesses présentes sont soumises à la sagesse, mes amis, qui est infiniment variée, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Et on continue, on nous dit. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère. Non. Écoutez. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère. Donc, si on parle de mystère, on parle de révélation. Écoutez bien, ce passage-là va avec Apocalypse 1. On a commencé par dire, révélation de Jésus-Christ. Donc, sans la révélation, les gens vont être dans le mystère. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que les religieux sont dans le mystère. Ils sont voilés. Pour eux, c'est encore un mystère. Dieu, c'est pour ça qu'ils disent la Trinité, c'est un mystère. Parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Alors que Dieu s'est révélé.
voyez, frères et sœurs, et on nous dit que nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère. C'est-à-dire caché. C'est-à-dire, Patrick, caché. Ben voilà. Non, mais, je peux me lever. Les caméramans, aidez-moi, je peux m'asseoir. Moi, je peux pas rester 4 heures assis comme ça, c'est pas possible. 6 heures assis, non. C'est pas possible. Aidez-moi avec la caméra, je dois me lever, s'il vous plaît, comprenez-moi. Jesus Christ, oh Patrick, là, t'as lu quelque chose, là. Tu peux le relire, s'il te plaît, là. Alléluia. Tu peux la relire, là, parce que là, je suis... Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, hein, qui est un mystère. C'est un mystère. C'est-à-dire caché. C'est-à-dire caché. Mais Patrick. C'est pour cela, Paul dit dans Ephésiens 3:10, il dit, c'est pour cela que les dominations et les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'église. C'est-à-dire pas par Gabriel, pas par l'archange Michel, mais par l'église. C'est-à-dire par nous, frères et sœurs. Mais si nous avons la mission de révéler Dieu au monde, mais le temps, la distraction là, ne doit plus, mes amis, on ne doit plus être distrait, Patrick. Mais je ne sais pas si les chrétiens comprennent leur appel, leur mission. Regardez, on va revenir sur 1 Corinthiens 2, parce que là, ce soir, là, je suis excité. Nous sommes dans Ésaïe 45:15. Oh Seigneur Yeshua. Ça veut dire qu'on ne peut pas prêcher Dieu s'il ne s'est pas révélé à toi. Tu vas prêcher des coloquintes sauvages. Les gens vont être, ils vont avoir des coloquintes. Ils vont être, c'est la maladie, le colchicor, je sais pas quoi, là. Ils vont avoir, mes amis, la malaria spirituelle. Ils vont avoir la diarrhée spirituelle. Ils vont avoir la constipation, toutes sortes de maladies spirituelles. Parce qu'ils n'ont pas la bonne nourriture. Ésaïe 45:15. En vérité, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. En vérité, tu es le Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël se cache. Et il se révèle à sa femme. Si tu ne fais pas partie de l'épouse, tu ne peux pas révéler Dieu. Car seule une femme peut véritablement parler de son mari. Parce que c'est dans l'intimité. Parce que l'intimité est réservée à la femme. L'intimité, vous savez, oh mes amis, oh l'intimité de Dieu. Si Jean a pu voir la cuisse de Jésus-Christ, c'est parce que Jean était intime. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une femme ne peut pas montrer sa cuisse à quelqu'un d'autre qu'à son mari. Paul dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. C'est pour cela que frères et sœurs, Jésus-Christ nous appartient et nous lui appartenons parce que nous sommes fiancés. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas là pour parler des gens, des hommes, tout ça là. On n'a pas le temps, frères et sœurs. On n'a pas le temps. Nous voulons révéler notre Dieu car il revient nous chercher, frères et sœurs. Jésus-Christ revient, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu glorieux. Alléluia. Plus que jamais, nous sommes déterminés à révéler ce Dieu au monde. Comment? Alléluia. Oh, Jesus. La gloire est là. La gloire est là, frères et sœurs. La gloire est là. Oh, Jésus de Nazareth. Jesus. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Jesus. Je sais que ce soir-là, le feu va atteindre vos maisons. Les vrais enfants de Dieu. Une huile fraîche. Une onction fraîche. Des intercesseurs. Des combattants. Des guerriers. Mes amis, combattons le bon combat pour que la parole soit révélée aux chrétiens. Alléluia, Jesus. Oh, alléluia. En réalité, Dieu, le Dieu qui te cache, il se cache et il se révèle. Il se cache et il se révèle à qui? Aux messagers, aux messagères. Il se révèle à l'épouse. Il se révèle à ceux qui ont le cachet, le tampon de Dieu, qui ont le mandat de Dieu, qui sont appelés depuis l'éternité, mes amis, qui ont le sceau de Dieu sur eux. Il ne force pas ses prédicateurs. Ils ne forcent pas. Ils ouvrent la bouche, la gloire tombe. Ils ouvrent la bouche, le feu tombe. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous prêchons une sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée. C'est pour cela, quand il est ressuscité, mes amis, Marie de Magdala, qui avait mangé avec lui, mais quand Marie l'a vu, Marie a cru que c'était un jardinier. Pourquoi? Parce que Jésus était caché.
Jésus était caché. Maintenant, à quel moment Marie a reçu la révélation? Quand Jésus l'a appelé par son nom. Ouh, ya, 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 ya. Alléluia. Quand Jésus a dit Marie, Marie a eu la révélation. Le voile a été ôté. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il a dit qu'il a un nom nouveau pour chacun de nous, frères et sœurs. Un nom nouveau. Comment Dieu t'appelle? Alléluia. Ouh, alléluia. Il se révèle à ses enfants. Parce que c'est le Père qui nomme les enfants. C'est le Père qui donne des noms aux enfants. Et je vais vous dire une chose. Qui est le Père? Adam a donné des noms aux enfants. Il a donné des noms à ses enfants. Il a donné des noms aux animaux. Adam. Adam. Et Jésus-Christ, c'est celui qui nous nomme. C'est notre Père. C'est lui que nous révélons. Comment? Pas seulement par la prédication, mais par des guérisons qui s'opèrent, par des miracles qui s'opèrent, par le réveil, par la conversion des jeunes, des baptêmes, des confessions au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, il y a quelque chose ici, là. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du réveil. C'est une génération qui sera, mes amis, utilisée par Dieu pour parler de Yeshua comme jamais auparavant. Alléluia. Je vois des jeunes qui se lèvent, qui prêchent Jésus-Christ parce qu'ils ont été visités, parce qu'ils ont eu la révélation de Jésus. Je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes. Je vois des gens qui viennent, qui confessent le péché. Des gens qui viennent et qui disent, un ange m'est apparu. Des gens qui viennent, qui disent, voilà, Michael m'est apparu. Des gens qui viennent et qui prient. Les handicapés qui se lèvent, les aveugles qui voient dans les métros, dans les trains, des gens qui prêchent, le feu du réveil tombe. Frères et sœurs, je vois ces choses. Je vois la persécution aussi des chrétiens, mais ils sont debout pour annoncer Christ. Au nom de Yeshua. Le feu dans la pièce ici. Le feu dans le studio ici, frères et sœurs. La gloire est tombée ici. Le feu du réveil. La puissance de Dieu. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous êtes allumés ce soir. Des guerriers de Dieu, des combattants de Dieu. Alléluia. Le feu est là. Le feu est là. Dieu rachète son peuple. Dieu libère son peuple. Dieu guérit son peuple. Je vous dis ce soir, des cancéreux sont guéris. Des malades sont guéris. Des gens vont confesser leurs péchés. Au nom de Yeshua, frères et sœurs. Le feu du réveil. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça le message. Voyez, on ne parle pas seulement. L'esprit tombe sur les gens parce que ils se mouvent, parce que ils bougent, parce que ils veulent toucher, parce que alléluia, Jesus Christ, alléluia, alléluia. Révélation de Jésus. Dévoilez-nous Jésus. Révélez-nous Jésus. Le Tout-Puissant, oui. Le Dieu de paix, oui. Le Dieu d'amour, oui. Le Dieu de vérité, oui. Le Dieu de sainteté, oui. Le Dieu glorieux, oui. La gloire, c'est pour, notre Dieu. Mais dans cette gloire-là, l'église est dedans. L'église marche dans la gloire. Parce qu'elle sera enlevée dans la gloire. Elle est née dans la gloire. Elle va grandir dans la gloire. Elle va partir dans la gloire. Dans la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Vous allez dire, mais pourquoi il crie? Mais lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, mes amis. Les gens ont toujours crié. C'est tellement fort. La puissance de Dieu, mes amis. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Jésus, Jésus, mes amis, la sagesse infiniment variée. Il est le chemin. Il faut parler du chemin. Il est la vie. On parle de la vie. Il est la vérité. On parle de la vérité. Il est, mes amis, le témoin fidèle. On parle de lui. Alléluia. C'est-à-dire, mes amis, honnêtement, on ne veut plus perdre du temps. On veut parler de Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas perdre le message. La finalité du message de la réforme des cœurs, c'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'époux. Voilà le message, frère. C'est ça le message. À minuit, quelqu'un crie, voici l'époux. Je ne dis pas que je suis celui qui crie, mais il y a des frères et sœurs comme vous chez vous. Vous commencez à crier, vous commencez à vouloir parler de Jésus-Christ de Nazareth à vos amis à l'école, à vos copains, vos copines. Vous commencez à parler sur les réseaux. Que de Jésus, alléluia, que de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Hier c'était petit là, aujourd'hui c'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous voulons tomber amoureux de Jésus-Christ. Nous voulons élever Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons magnifier Jésus, le pasteur des pasteurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus qui est Yahweh Tout-Puissant. C'est lui que nous voulons annoncer. C'est lui que nous voulons prêcher. Et rien d'autre. Rien d'autre.
pas de distraction, chrétien. Focalisez-vous sur Jésus-Christ de Nazareth, sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, sur le message de la sanctification, sur la sainteté. Frères et sœurs, c'est ça le message, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Jesus Christ, nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Nous restons dans la parole, frères et sœurs. Nous restons dans le message du temps. Nous restons dans l'évangile, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Et vous le savez, la parole est vivante. La malédiction sans cause ne peut pas nous atteindre, vous atteindre. Nous brisons toutes les paroles des hommes au nom de Yeshua. Et nous bénissons nos ennemis. Nous proclamons le retour de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Jesus. 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 Paul n'a pas prêché les hommes. Paul a prêché Jésus. Paul a prêché la croix. Paul a prêché le retour de Jésus. Il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est ça le message. Chrétiens dans le monde entier, les guerriers que vous êtes, les guerrières, les enfants de Dieu, des couples, des familles, les noirs, les blancs, les jeunes, les arabes, tout ça là, les métis, frères et sœurs, tous ensemble unis, les chinois, les japonais, les asiatiques, les africains, les européens, frères et sœurs, petits et grands, pauvres et riches, tous ensemble, dans la puissance de la parole de Dieu, proclamons Jésus de Nazareth, proclamons la croix, proclamons le retour de Yeshua. Proclamons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La crainte de Dieu. C'est ça le message. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole que la jeunesse doit prêcher. En Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, en Suisse, partout, frères et sœurs. Prêchez Jésus. Parlez de Jésus. Dans les métros, dans les trains, dans les gares. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Parlez de Jésus. Vivez Jésus. Marchez avec Jésus. Dormez avec Jésus. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Ne perdez pas le message. Au nom de Yeshua. Ne perdez pas le message. Les chiens aboient. La caravane passe. Frères et sœurs, on continue le chemin. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Le Dieu de gloire. Frères et sœurs, regardez. Levez les yeux, Jésus revient. Ne le voyez-vous pas? Ne le sentez pas? Jésus revient. Ne le voyez-vous pas, frères et sœurs? Il revient. Il sauve. Et je vous dis, frères et sœurs, au nom de Yeshua, ce samedi, jeunesse debout pour Jésus. Au nom de Yeshua. Ce samedi, la puissance de Dieu. Au nom de Yeshua. Pas ce samedi, le 23. Oh, frères et sœurs. Yeshua, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sens dans mon cœur que c'est une étape nouvelle. Je sens dans mon esprit que des âmes seront arrachées de l'enfer. Oh, Satan ne peut rien contre toi, chrétien. Satan ne peut rien contre toi. Tous les plans que tu as prévus pour toi seront accomplis si tu crains Dieu. Au nom de Yeshua, prêchez Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire. Que Dieu avait prédestiné pour notre gloire. Non, Patrick. Oh, Patrick, tu peux lire ça? Pour ne pas qu'on dise ça dans ma Bible seulement. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire. Pour notre gloire! Pour notre gloire. Patrick, tu vois ça? Ça veut dire que l'église est appelée à marcher dans la gloire. Mais quelle gloire? Pas la gloire là, oh, sur les affiches, la gloire. Non, la gloire, c'est-à-dire, mes amis, l'éclat, la sainteté, l'amour parfait, la véritable sanctification, frères et sœurs, la gloire, les honneurs de Dieu. Alléluia, pour notre gloire. C'est-à-dire, la parole dit dans Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous vous rendez compte, Patrick? Ça veut dire là, nous sommes dans une dimension là, où l'Église doit passer. L'Église marche dans l'onction du Saint-Esprit, c'est vrai, pour accomplir des œuvres. Mais Dieu accélère les choses actuellement. Dieu nous amène de plus en plus, tous les chrétiens du monde entier, les vrais chrétiens, dans la dimension de la gloire, c'est-à-dire parce que l'Église va partir dans la gloire.
Donc elle sera glorieuse par la persécution, par les attaques, par les dires des hommes. Mais on ne s'arrête pas dessus, les amis, parce que ça, c'est pour notre bien. C'est pour nous amener dans l'excellence, dans le message du temps, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance de la croix. Je bénis mon Dieu. Je bénis tous les défenseurs de la sainte doctrine. Je bénis tous mes enfants dans la foi. Partout dans le monde entier, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, mes grands frères et grandes sœurs dans la foi. Ma mère dans la foi, maman. Alléluia. Ma mère, maman Marthe et plein d'autres qui sont debout pour le Seigneur dans les nations. Je dis, oh, alléluia, on n'est pas seul. C'est une grande famille qui est debout aujourd'hui pour annoncer la croix, pour annoncer le retour de Yeshua. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes le peuple de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas une église dénominationnel, c'est des frères et sœurs du monde entier, frères et sœurs qui ne reconnaissent qu'un seul maître Jésus-Christ de Nazareth, qu'un seul berger Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est ça le message. Demain, émission spéciale, 20h30, heure de Paris, à 20h30, heure de Paris. Oh, alléluia. Alléluia. Mes amis, aidez-nous pour les caméras, je vais aller au piano, là, je ne sais pas si c'est ouvert, là. Il y a quelque chose sur moi, là. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que les frères et sœurs qui veulent adorer peuvent venir. Ils peuvent, que les frères et sœurs qui veulent adorer viennent avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que tu es saint. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, parce que tu es saint. Tu es oh, oh, Seigneur, mon Dieu. Tu es puissant, tu es glorieux. Oh, Père, Seigneur, nous pouvons te louer. Hosannaio. 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 Yeshua. Seigneur. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Yesu nangai, elongezali ayo yokuma, alleluia, papa. Hey, 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 Yesu nangai, elongezali ayo yokuma, alleluia, papa. Yesu aloué. Dieu soit loué, Dieu soit loué, Jésus, Dieu soit loué, il soit loué, Jésus, il soit loué, il soit loué, Jésus, il soit acclamé, il soit acclamé, oh Jésus, il soit acclamé, il soit
acclamé, ô Jésus, Christ acclamé. Jésus, qui soit acclamé. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Amen, amen, amen. Alléluia. Bah oui, on se débrouille avec nos voix cassées. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Magnifique est ton nom, Seigneur. Holy God. Seigneur, tu es magnifique. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh, Père Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci parce que, Seigneur, tu es puissant. Merci les gens, merci Patrick, merci mon frère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont guéris ce soir. Je crois que beaucoup sont allumés ce soir. Oh, alléluia. Le feu du réveil. Magnifique est ton nom, Seigneur. Voilà, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, frères et sœurs. Yeshua est vivant, il est Seigneur, il est glorieux, il est grand. Et nous voulons l'expérimenter. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas parler de lui. Et on ne veut pas passer à côté de lui. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut appeler. Je ne sais pas si on peut avoir deux ou trois coups de fil, l'équipe. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Que le Seigneur soit glorifié, magnifié. En tout cas, merci les frères et sœurs. Merci à l'équipe technique. Malgré ce problème, vous avez pu vous organiser. Vous êtes battus pour avoir, pour pouvoir mettre en place ce programme. C'est beau. Patrick. En attendant les appels. Pas de souci. Parce que pendant, au début du partage et pendant tout ce partage, en fait, tant que Jésus n'est pas, tant qu'il n'y a pas eu l'œuvre de la croix, on sait que ce qui s'est passé avant, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ça. Donc, Jésus n'était pas le corps. Non. Dieu n'était pas présent sur terre. Non. Et donc,
En fait, l'ensemble des chrétiens qui représentent son corps, donc représentent Dieu. Effectivement. Et donc, c'est, quand tu disais tout à l'heure, ce sont des messagers, des représentants, oui, des ambassadeurs. Et quand c'est Dieu s'annonce, se présente lui-même à qui il veut. On l'a vu avec l'exemple que tu as donné et d'autres personnes qu'on connaît, de musulmans qui ont eu la révélation directement. Mais finalement, est-ce qu'on peut on peut penser que étant nous le corps de Dieu, nous sommes Dieu qui utilise ce corps pour annoncer lui-même sa parole. En fait, c'est toujours Dieu. C'est pour ça que la gloire, elle est là, que on peut tout partager. En fait, nous sommes son corps, mais plus dans le sens du temple, ouais, dans lequel Dieu habite. Oui, oui. Effectivement, ouais. Mais collectivement, donc, l'ensemble des chrétiens. De manière collective, effectivement, il y a chacun a reçu une partie, ouais, du Seigneur, de voilà, une partie. Et, mais c'est sûr que ce corps-là, comme tu le sais, n'est pas Dieu. Et, parce que aucun corps ne peut contenir Dieu. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, mais c'est vrai que, lorsque des chrétiens s'assemblent comme ça, mais il y a la manifestation de la gloire de Dieu, s'ils sont sincères, bien sûr. Et ben, dans le sens où, il y a la diversité. Il y a des dons, des grâces, des talents. Et là, on voit des aspects de Christ. Par exemple, là, on va voir l'aspect prophétique. Parce qu'on n'a pas tout dit ce soir. Il y a tellement des choses à dire. Christ est prophète. Christ apôtre. Christ évangéliste, Christ docteur, Christ diacre. Donc, il y a tellement d'aspects. Donc, on peut tellement parler du Seigneur, tellement de choses qu'on peut échanger, partager. Il est tellement profond qu'on n'a pas le temps pour la distraction. Voilà. Donc, c'est le message de soir. Et demain, il y a une émission spéciale. Bon, je crois qu'on a un problème technique avec le téléphone. Il y a quelqu'un en ligne. Gloire à Dieu. C'est voilà. Vous vous rendez compte, Patrick et vous tous qui nous suivez, on est là tout ça, d'accord, que on a, nous l'Église, nous avons l'appel, nous avons la mission de révéler les aspects de Christ. Et imaginez si nous passons notre temps dans les histoires, dans les niaiseries, hein, dans les niaiseries et dans les cancans. Et non, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps là. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on défend la vérité, alléluia, gloire à Dieu, on défend la parole, on dénonce le mal, le péché, ça, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent se sauver, ben, être aidés, on leur tend la main pour qu'ils sortent du péché. Mais nous devons avancer avec le Seigneur, continuer à avancer. Et il y a un livre, d'ailleurs, qui va sortir pour le mois de décembre, là, que Dieu m'a fait écrire. Et merci en tout cas aux personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans tout le... qui nous soutiennent par les conseils, par divers moyens. Et donc c'est un livre qui va, c'est un livre dont le thème est la marche avec Dieu. Donc j'étais assis comme ça, le Seigneur m'a saisi et tac, 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 tac. Et donc je pense que c'est un livre qui va faire beaucoup de bien aux frères et sœurs. Déjà moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc il m'a fait développer les différentes stations dans le désert et descendre d'Israël et leurs applications aujourd'hui sur notre vie. Et dans nos vies de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Et dans la marche avec le Seigneur, j'ai compris qu'il faut être comme un athlète et ne pas perdre de vue l'objectif. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, Fraîcheur. Oui. Oui, donc j'appelle pour témoigner parce que il y avait la réunion de jeunesse samedi dernier. D'accord. Et j'ai ma cousine qui appelait de l'Allemagne par rapport à ce qu'ils arrivaient. Et moi, je suis à Caen. Donc, je l'avais demandé d'appeler. Elle a appelé en direct. Et quand vous l'avez parlé, moi, j'ai jamais vécu ça. J'étais au travail et j'ai senti en fait la présence, une présence qui m'a vraiment saisie. Et ça a duré pendant une heure. Une heure, la présence, en fait, ne voulait plus me quitter. Donc, j'étais environnée de la présence de Dieu. Et je voulais témoigner pour dire simplement que toute la gloire revient au Seigneur Jésus, que c'est vraiment le Seigneur qui vous a mandaté, et que tous ceux-là qui sont en train de vouloir vous casser, que Dieu vous fortifie. Mais moi, je crois qu'il est temps de les dénoncer. Il ne faut plus s'arrêter, parce que moi, je disais souvent, non, pourquoi le frère n'arrête pas de les dénoncer? Mais il faut continuer à les dénoncer. S'ils n'ont pas la puissance, ils n'ont qu'à aller au pied de Jésus pour que Jésus aussi les mandate. Donc, moi, je voulais t'encourager, mon frère. Et pour ta famille, Dieu au contrôle. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont qu'à venir auprès du Seigneur, et le Seigneur va aussi leur parler. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Merci, merci. Merci beaucoup. En tout cas, les enfants de Dieu sont debout partout. Mais moi, le travail que Dieu m'a donné, c'est de révéler Christ. Et maintenant, des enfants de la foi que Dieu m'a fait engendrer, il y en a plein.
qui annoncent la parole, qui dirigent les assemblées, que Dieu leur a confié à gérer, à diriger. Il y en a partout dans le monde entier, au Gabon, au Congo, en Afrique, aux Antilles, et aux États-Unis, que je tiens ce soir à saluer, parce que je me suis rendu compte que nous sommes toute une famille. Même quand je dis que je suis seul pour crier, je suis seul, mais en fait, seul par rapport à l'appel que j'ai reçu. Et comme chacun est seul par rapport à l'appel qu'il a reçu, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont engendrés. Et ceux-là, ils se lèvent de plus en plus pour dénoncer le mal, pour prendre position pour la vérité. Je tiens à les saluer, à les encourager. Nous ne sommes pas dans un combat charnel. Et moi, je veux continuer à révéler mon Dieu, à révéler Christ par la prédication, par les enseignements, comme vous le savez, et par la prière sur la guérison, délivrance que les frères et sœurs reçoivent au nom de Yeshua. Et puis voilà. Donc, que Dieu soit béni en tout cas. Et voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. D'accord. Oui, j'appelle, c'est pour dire, en fait, par rapport au message de ce soir. D'accord. Que ce message, il m'a fortifié, en fait, il m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Et puis, cela m'encourage davantage à marcher vraiment avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Amen. Voilà, et donc, et puis je dis au Seigneur merci, hein, parce que c'est la première fois que je peux regarder l'émission comme ça en direct. C'est la première fois. Et je peux dire que j'ai senti une chaleur vraiment très, très, très forte. Et en même temps, j'ai prié le Seigneur, hein, j'ai prié le Seigneur pour tout le monde, pour le monde entier, en fait. Et cela m'a vraiment, vraiment, vraiment fortifié, m'a fait du bien. Et donc, je dis merci au Seigneur vraiment pour toute l'équipe entière. Gloire à Dieu. Voilà, merci. Que Dieu soit béni, ma sœur. Merci pour ce témoignage. D'accord, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc, que Dieu soit béni. Vous savez, comme je disais, le Seigneur a permis que beaucoup de frères se soient formés depuis des années, depuis 18 ans bientôt, et des frères et sœurs qui sont là, qui enseignent, qui prêchent, qui font des belles œuvres dans le royaume du Père. Et il y en a beaucoup et qui travaillent comme ça et beaucoup qui sont dans l'ombre. Et je tiens à tous les encourager à révéler Christ. Notre bien-aimé. C'est ça, en fait, notre message. On révèle Christ. Et allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. 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 Ah, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, c'était pour témoigner à la gloire du Seigneur. Mmh. Parce que je suivais l'émission ce soir chez moi et j'ai reçu une visitation du Seigneur, en fait. Il m'a délivré de quelque chose. Et en fait, j'ai reçu... Enfin, il y avait une espèce de... Enfin, déjà, il y avait le feu et tout. Et en fait, j'ai ressenti une forte chaleur. Et je pense que la chose qui était en moi a commencé à dire « ça brûle, ça brûle, ça brûle ». Et ça brûlait, en fait. Je sentais la chaleur. Et j'ai commencé à écumer. Et il y a quelque chose qui est sorti, en fait. Waouh ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Oh ! Oh, le Mont Carmel ! Oh, le Mont Carmel ! Oh, le Mont Carmel ! Mon voilà, Dieu fera la différence. Que vous soyez encouragés vraiment pour cette heure parce que le Seigneur fait vraiment des miracles. Donc voilà. Tu nous appelles d'où, ma sœur? De Nogent-sur-Marne. Oh ben, garde ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Jesus. Au revoir. Alléluia. Écoutez, beaucoup de gens ont dit non, on veut aussi participer au programme. Vous voulez qu'on ouvre un peu, qu'on permette à ce que. On ouvre, hein? On ouvre. Samedi. Donc samedi, que tous ceux qui veulent venir, viennent. Alléluia! Jesus. Ben samedi, tous les jeunes de moins de 120 ans sont autorisés à être avec les autres jeunes. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Ah ben là, il faut que chacun se prépare. Parce que on va adorer le Seigneur. On va louer Jésus. On va prêcher Jésus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Là, c'est un avant-goût du 23. Un avant-goût du ciel. Jesus Christ. Il y a beaucoup de guérisons ce soir. Alors, bonsoir. Le démon a parlé. Le démon a dit, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Le démon a pris ses jambes à son cou. Youhou, ciao.
Ciao. Il y a un passage dans Jérémie 23 qui dit, Dieu dit, je ne suis pas seulement le Dieu de près. Je suis aussi le Dieu de loin. Jérémie 23, 23, 24 là-bas, tout ça. Oh, mes amis, c'est magnifique. Dieu dit, ne remplis-je pas le ciel. Dieu remplit les cieux, la terre, tout ça là. Et c'est ça la parole, frères et sœurs. Vous voyez vous-même, on prêche l'évangile, les démons sortent. Vous voyez l'évangile, frères et sœurs? C'est pas du blablabla. Non. Le vrai succès, c'est quand on parle de Jésus-Christ. Le vrai succès, c'est quand on se focalise sur le nom de Jésus-Christ. Un seul nom nous a été donné, nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est le seul nom. Et le message que nous avons reçu, mes amis, c'est de bénir nos ennemis. C'est ça le message. Jésus a dit, bénissez et ne maudissez pas. C'est ce que Jésus a dit. C'est ça. Moi, je préfère obéir à la parole de Dieu. Mon Dieu m'a dit de bénir, donc je bénis. Mon Dieu m'a dit de prier pour ceux qui nous persécutent, nous le faisons. Mais nous voulons nous focaliser sur Yeshua. C'est ça le message. Parce que toutes ces guérisons, tous ces miracles sont opérés parce que le nom de Yeshua est révélé. Et ce n'est que le début. Des jeunes femmes quittent le péché, abandonnent la gloire de ce monde. Des footballeurs qui se tournent vers le Seigneur. Et Jésus a dit, prêchez la parole à tout le monde. Donc nous prêchons la parole aux hommes politiques, nous prêchons la parole aux femmes politiques, nous prêchons la parole à tout le monde, mais nous ne voulons pas faire de la politique. Non, Jésus a prêché la parole à tout le monde. Pierre, Paul a prêché la parole à Hérode. Il a prêché la parole, Jean-Baptiste a parlé à Hérode. Voyez, c'est ça Jésus. Paul a parlé, même à César, il en a appelé à César, pour comparaître, et il a profité pour annoncer l'évangile. Il a prêché au roi Agrippa l'évangile. Partout. Partout. Et vous allez voir, frère, demain, il va y avoir un enseignement pour que vous compreniez comment l'église a opéré. Vous savez que parmi les femmes qui soutenaient Yeshua, il y avait la femme d'un intendant de Rhodes. Hérode est roi. Son intendant, sa femme était parmi les femmes qui marchait avec Jésus-Christ de Nazareth et qui disait, nous allons aider cette vision-là. Jesus Christ, nous voulons être dans la parole. Nous voulons être dans la parole. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle de la part du Seigneur? Tu me remplis de force là. Oh, mes frères, vous me remplissez de force. Or, il arriva après cela, Luc chapitre 8, qu'il allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes aussi, qu'il avait délivrées de l'esprit malin et de maladie. Marie de Magdala, de laquelle était sorti cette démon, et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Il y a quelques jours, avant, Dieu m'a dit, mais t'as pas lu dans Luc chapitre 8, verset premier là-bas? Intendant. Hein? C'est-à-dire, même si Hérode, là, ne voulait pas du Seigneur, son intendant, sa femme, a dit, il y a homme et homme. Mon mari est riche, c'est vrai. Mais j'ai rencontré la vraie richesse, l'amour, la douceur. Elle dit, laissez-moi suivre Jésus. Nous ne faisons pas la politique, nous voulons défendre Jésus-Christ. Nous voulons prêcher la croix. Voilà. Tout le monde, les gothiques, parce que quand vous jetez un filet dans l'eau, le filet n'attrape pas seulement la dorade, hein, toutes les dorades. Non, dorade, hein, chinchard, tout ça, hein, même des requins, même des baleines. C'est ça le royaume. C'est ça le réveil. Alléluia. Et on tire le filet. C'est ça l'évangile. C'est pour cela que quand le gothique a appelé le frère là, il dit non, on va pas nous dire viens. Quand les prostituées disent on peut venir, venez écouter. Tout le monde. Et je vous dis, quand ils entendent la parole, ils disent on veut plus la prostitution. On veut plus tout ça là. Mais il faut que les gens en entendent. Je vous assure, frère, c'est ça l'évangile. Le seul soutien, c'est Jésus-Christ. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir.
je vous appelle de Cholet. De Cholet. Oui. Ok. Donc, voilà, il faut dire que c'est la première fois que je suis en direct. J'ai tellement essayé plusieurs fois, mais Dieu merci, c'est aujourd'hui que j'ai pu entrer en contact avec vous. Ok. Voilà, c'est pour vous encourager. Vous dit que voilà, malgré les persécutions font partie du quotidien du chrétien. Amen. Voilà, la Bible nous dit comme ça que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Amen. Donc voilà, il faut continuer à marcher selon les voies de Dieu pour continuer dans cette lancée là. Gloire à Dieu, merci mon frère. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et je vous encourage. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à signaler aux frères et sœurs que les BJC seront livrés d'ici, je pense même avant le 10 décembre, parce que le 23 décembre, pendant la veillée d'Action de Grâce, ben on va distribuer des BJC aux frères et sœurs qui n'en ont jamais eu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur fait son œuvre. Et vous savez que Dieu nous encourage énormément. Et je dis merci au Seigneur. Merci à mes frères et sœurs du monde entier, à vous tous qui priez pour nous, à vous tous qui nous envoyez des emails pour nous encourager, à vous tous qui vous levez pour parler de Yeshua. Vivons comme des chrétiens, aimons-nous les uns les autres, aimons nos ennemis, prions pour nos ennemis, bénissons les uns les autres, annonçons Jésus-Christ, restons sur la parole, restons bibliques. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle, c'est pour bénir Dieu et puis vous encourager en même temps. Alors, moi, je suis chez moi et en fait, je ne regardais pas TV de vie. Je suis en train de regarder un enseignement sur la soif de Dieu. Et Jésus-Christ a carrément coupé ma vidéo. Il m'a mis le direct de TV de vie, en fait, sur ma télé. Oh! Et voilà. Et donc, j'étais très étonnée parce que je savais même pas qu'en fait, je pouvais regarder TV de vie depuis YouTube. Et c'est la première fois que je vois qu'en fait, que je peux regarder le direct de TV de vie depuis YouTube. Et donc, j'ai été agréablement surprise. Puis, je me dis, mais pourquoi le Seigneur, il me coupe carrément dans la vidéo pour mettre sur TV de vie? Et puis là, vous avez commencé, en fait, à parler de l'épouse. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, l'épouse doit révéler Jésus-Christ. Et ça m'a touchée, en fait. Ça m'a vraiment... là, il y a après, il y a eu un feu. Et tout d'un coup, l'esprit m'a saisi. J'ai dansé dans ma maison. Et c'était bon, quoi. Il y a une présence de Dieu. Donc voilà, c'est pour dire merci à Jésus-Christ. Je l'aime de tout mon cœur. Et puis, vous encourager tous les chrétiens et toutes les personnes qui aiment Dieu et puis celles qui vont bien. C'est ça le message. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ça le message. Donc, c'est pour toi que nous avons eu un bug ce soir. Toute la journée, c'est parce que Dieu voulait te parler. Parce qu'habituellement, on ne diffuse pas comme ça, mais là, c'est vraiment le Seigneur. Je pense que parce que Dieu voulait t'encourager et que Dieu soit béni. Voilà. Merci. Ah, voilà, que Dieu soit béni. Les amis, en tout cas, merci, bon courage. Et demain, on se retrouve à 20h30, heure locale, ici sur TV Radio de Vie. Et que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Merci. Au revoir. À bientôt. Gloire à Dieu.